Mercredi 10 janvier 2018, bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la CAO pour être capable de voter pour la deuxième sortie téléjournal pour la semaine. Là. Mais en tout cas, quittez mes saluts, Ruben. Je vous dis Ruben, bonjour et très bon mercredi. Bonjour, Ricardine. Toujours un plaisir pour nous capables ensemble, pour nous capables d'informer les téléspectateurs. Bonjour, Haïti. Bonjour, bonsoir, le monde. Déjà, nous souhaitons passer un très bon mercredi sur TNH. Ricardine, bon mercredi à vous-même. Tôt. Merci, Ruben. Et bon mercredi avec tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Télévision Nationale d'Haïti. On a pas au principal point d'appel pour nous développer matin dans le journal. Là, pour nous faire connaître, je suis président de la République, là, Jovenel Moïse, plaider en faveur tête ensemble dans tout petit pays. Pendant les délits, pareil pour Chita, parler avec toute partie politique dans l'opposition pour poser problème pays. Trois personnes mourir avec cinq autres sont blessés. C'est bilan dernier l'appli qui tombe sous pays. Pendant le dernier jour, le directeur de protection civile, Jerry Chandler, invite la population à arrêter véatif. Même les frontières qui ont quitté le pays d'Haïti, Jerry Chandler a annoncé le gouvernement accompagné par un monde qui perd la vie dans l'ouest pays. L'autre information n'a gagné pour nous capables de porter pour dans journal là anthropologue et puis professeur université Rachel Beauvoir Dominique chanté hier mardi dans la cour Beauvoir Mariani en présence en famille amis collègues travailleurs et personnalités politiques et médiatiques dans pays d'Haïti. Et puis à l'étranger pour pipiti 13 moun nan mouri hier mardi en Californie à cause yon pile labou qui allait à plizye kay. C'est conséquence tempête qui a frappé états là depuis quelques jours dans pays États-Unis. Voilà, c'est ensemble pour savoir que pilote qui a pour faire essentiel le journal là pour jeudi mercredi 10 janvier 2018 là n'a pas vite arrêté bon chez chaîne là n'a pas tourné un petit moment pour pas déplacer. Merci parce que toujours été branché télévision l'état n'a pas rentré avec développement information aujourd'hui qu'on t'a annoncé les différents titres pour nous faire connaître président République la Jovenel Moïse plaider tête ensemble dans mitan toute petite pays chef l'état dit li paraît pour capable chita parler avec parti politique dans opposition dans l'idée pour poser problème pays et puis joindre solution dans intérêt population haïtienne. Président République la Jovenel Moïse t'a intervenu lundi 8 janvier passé dans l'ouverture première session année législative, l'argent constitution mandé ça n'a pas vite suivre. Le changement de notre pays ne sera pas le fruit du hasard ou un cadeau qu'on nous fera. Il résultera de notre capacité de nous projeter dans l'avenir ensemble. Car il est clair que pour changer durablement notre pays, nous devons préalablement collectivement intégrer et croire fermement que cela est possible. Nous devons dépasser le bavardage politique ambiant, assumer notre passé avec son actif et son passif pour le dépasser et affronter l'avenir avec intelligence et responsabilité. Nous devons proclamer haut et fort les valeurs que nous voulons promouvoir ensemble, les valeurs d'égalité, de liberté, de prospérité. Les ancêtres nous ont sortis de l'esclavage. Nous avons la responsabilité de laisser en héritage aux générations futures un pays meilleur que celui dans lequel nous avons grandi. C'est dans cette dynamique que j'inscris mon quinquennat. C'est à ce rendez-vous que j'invite l'ensemble du corps politique haïtien. Durant cette première année de mandat, je me suis mis à l'écoute de l'opposition s'exprimant au sein du Parlement, dans les quartiers, par le biais des organisations de la société civile ou à travers les médias. Mais les actes de banditisme, de vandalisme et de violence qui empêchent les paisibles citoyens de poursuivre librement leurs activités sont fortement condamnés et ne font pas partie du jeu démocratique. Parce qu'une opposition se doit d'être critique, constructive et créative. Nous exhortons donc tous ceux et toutes celles qui veulent manifester leur désaccord à le faire dans le respect de la loi, de la démocratie et du pluralisme politique. Les critiques constructives émanant de l'opposition parlementaire
ont fait office de conseil et m'ont permis d'ajuster certaines de mes actions. Pour cela, et pour votre attachement à la République, plus particulièrement aux idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, dans l'union qui fait la force, je vous adresse un salut patriotique. À mes frères et sœurs de l'opposition, qui ne partagent pas les orientations politiques de mon administration, je dis que je respecte leur choix. La pluralité des idées est un élément vital pour notre démocratie. Frem Aksem, clé réussite nous, c'est collaboration nous, yon ak lot. Clé échec nous, c'est chiripit là, c'est yin yang là, c'est chien manje chien. Nous condamnons pour nous vivre et pour nous avancer ensemble. Nous avons pour devoir parler et négocier pour nous joindre bon gens en tant que nous pas d'accord. C'est toi nous pour nous pas d'accord. Parce que nous, chaque, nous sommes monde. Responsable direction protection civile là, Jerry Chandler, fait un rallye sous la pluie qui tombe sous pays à depuis environ une semaine. Dans le cadre d'une interview spéciale libre à la télévision nationale d'Haïti, mardi 9 janvier, directeur protection civile là, demande population pour toujours être vigilant, même les mauvais temps pour qu'on finisse quitter pays d'Haïti net. Concernant Mouna qui perdit la vie dans le département nord-ouest du pays, il fait connaître le gouvernement décidé d'accompagner par un victime dans un moment difficile ça, sans côté travail y a fait dans tête ensemble avec l'autre ministère, avec le ministère de Travaux publics, Transport et Communication et le ministère de Santé publique et Population. Il y a un extrait dans le micro, Marie-Jean-Louis, à nous suivre. Il y a un pile qui tombe dans tout le pays, mais il y a plusieurs zones spécifiquement qui pi touché et qui pi victime dans affaire la puissa et particulièrement nous cap parler de nord-ouest, nous cap parler de Port-de-Paix avec l'île de la Tortue, nous cap parler de Ansafouleur côté que nous enregistré non seulement des inondations, de l'eau montée et envahi caille etc., mais nous vinn du fait que la pluie a tombé sans arrêter, ça fait terre vinn saturé, li vinn plein avec de l'eau, li vinn causer ça relé des glissements de terrain dans des côtés et malheureusement du fait de glissement de terrain ça y a des cailles qui crasent et il y a trois monde que n'a déploré l'an moyo deux là d'ailleurs au port de paix une là d'ailleurs dans l'île de la Tortue malheureusement qui mouri. Bon, il y a plusieurs blessés, il y a à peu près 5 ou 6 blessés que finalement ont transporté heureusement dans l'hôpital Biraka pour y aller prendre soin et moun ça yo et actuellement là yo pris en charge. Maintenant parallèlement à ça il y a un pile dégâts que la pluie ça a causé, j'aime de dit à la glissement de terrain donc il y a cailles qui crasent mais il y a aussi et surtout route qui coupée. Route nationale qui menait Port de Paix, il était interrompu par plusieurs endroits. Et deux Port de Paix pour aller vers l'ouest, donc pour aller Molle Saint-Nicolas, pour aller dans toute zone, ça a eu la route là était bloquée net. Donc là, c'est pour ça que nous, dans le secrétariat permanent gestion risque des désastre que protection civile dirigeait, nous chita avec l'autre. Et institution qui travaille avec nous, on m'a parlé là de travaux publics, m'a parlé de ministère de la défense, donc dans le corps génie militaire là, côté que déjà avec instance ça yo, nous prenons des mesures pour que yo intervenir directement en urgence pour rétablir voie d'accès yo. Très souvent gien ça relé la guerre des chiffres, gien discussion par rapport à nombre de monde qui mourir parce que gien des monde qui gien des intérêts pour et bay chiffre pa yo. À date, journée aujourd'hui à côté que m'a parlé avec vous là, effectivement nous enregistré 3 morts. Et nous avons à peu près 5 ou 6 blessés. Mais si le bilan a pour le changer, certainement, dans le prochain rapport de situation que nous avons produit et éventuellement dans la prochaine rencontre que nous avons pour nous faire avec la presse, nous avons changé les chiffres. Au niveau de Cap-Haïtien, il y a plusieurs quartiers de l'eau qui ont commencé à monter. Bon, là, heureusement, nous n'avons pas de gros dégâts pour déplorer, ni pas de monde mourir. Mais de l'eau qui a commencé à monter, il y a des couilles, il y a des inondations qui ont commencé. Nous pas oublier non plus la région NIP, côté que dans la ville Baradère, il y a plus de centaines de cas qui ont écrasé. Alors, il y a plus de centaines de cas qui prennent de l'eau, donc qui ont inondé. Donc, la population est obligée littéralement de déplacer avec assistance protection civile. Là, quand il y a de l'eau, ça a recommencé à descendre. Donc, mon travail de nettoyage et de réintégration mondiale dans la caillou qui a fait. Bien entendu, nous même tout, au niveau central de la protection civile, on a travaillé d'arrache-pied avec le ministère intérieur pour nous joindre des moyens pour nous capables de bailler les gens qui sont victimes de l'intempérie en façon pour nous capables de recréer conditions normales de vie pour eux capables en sécurité.
L'autre information dans le journal là pour maintenir ancien premier ministre Evance Paul exprimer tristesse li pour façon quatre monde qui tape nettoyer tout égout mourir sous champ de masse tout près ministère qu'il dit Evance Paul souhaité toute autorité dans l'état pour te support bay famille moun sa yo surtout après finira yo n'a pas vite suivre sous en 2018 l'âme t'a souhaité nous plus sage nous plus humble non plus responsable. Ça va le faire nous 8 ans depuis nous vivons une grosse catastrophe. Nous pas changer dans comportement nous. Dans gens on a vivre avec l'autre. Dans gens on a mal bâti caille, nous fait caillou tourner tombeau. Et grand événement qui passé hier dans pays là. On connaît gens qui prennent comme un fait divers. Moi même moi voulais pays à prendre comme un gros événement. Il y a 4 malheureux qui mourent dans tout ego. C'est Karel Michel, Audner Volcan, Darius Jean Renel avec Mathieu Joannis. 4 personnes qui ont mouru parce que vous avez servi le pays. Vous avez fait travail qui est bas dans le pays. Je ne pas souhaiter vous mourir. Et puis, tout le monde oublie dans qui situation vous mouri et que petit vous quittez dehors. Yo qui était derrière pardon personne va vous regarder m'a mettez voix m'a voix famille pour m'encourager autorité yo. Pas seulement faire enterrement yo mais faire qui choy pour petit yo qui était derrière parce que c'est 4 moun qui méritaient respect pays a dans circonstances yo mourir. Ministère Commerce et Industrie nan tête collé ak organisation régionale CARICOM pour norme ak qualité organisé mardi 9 janvier yon réunion consultation sur un code régional ki gen pouwe ak énergie renouvelable et puis efficacité énergie nan construction bâtiment. Activité ça té occasion pour divers acteurs dans affaires énergie dans pays a partager ak organisateur yo commentaire yo sous document cela. Yon compte rendu avec Rachel Saint-Fort et puis Vincent Joseph. C'est dans l'idée pour prendre commentaire différents pays membres CARICOM yo sur un document de base yo déjà commencé préparer pour établir code régional dans affaires normes sous énergie dans construction bâtiment. Ministère Commerce ak Industrie ak Bureau Haïtien Normalisation ak lot partenaires régionaux yo réalisé chita pale sa. Activité a concerné yon document qui en préparation au niveau région. Ou konnen nou se mam Haïti, se mam CARICOM et tout état mam CARICOM yo décidé pou yo préparer un code. Code là, ça l'a gagné là-dedans, c'est toute une série de normes qui concernaient aspect énergie dans bâtiment que y a construit. Et normes et code ça va l'absortir un code régional que tout pays qui fait partie de CARICOM a part entendre pour être capable d'utiliser à l'avenir pour le y a fait construction pour être capable de gagner conservation de l'énergie. Pour produire document ça, responsable utilisé un document référence qui c'est code international 2018 là. Conception matériel ventilation façon pour construire c'est parmi point document ça présenté d'après explication initiateur. We have two deux documents qui différencient. Code international 2018 là qui code de référence nous qui basons. Code global qui parlait aussi parce qu'il est valable pour le monde entier, mais nous connaissons plus qu'à appliquer dans CARICOM parce qu'on parlait de code de régulation pour édifices qui appliquait à les problèmes que dans le pays CARICOM. Le deuxième document, c'est ça nous relève un document d'application de la CARICOM. Responsable fait qu'on ait commencé des bases sur documents avec différents acteurs qui intéressés dans le domaine énergie et construction. Il a continué pour commenter acteurs nationaux SAIO pendant la semaine qui vient pour voir les instances dans le niveau région qui responsable pour prendre commentaire qui fait en Haïti. Dans l'idée pour adapter le code régional là à la réalité pays.
Merci avec collaboratrice nous, Rachel Sifor, qui t'a présenté nos comptes rendus ici-là. Après environ une semaine, depuis Conseil exécutif et Université l'État prend résolution pour demander Conseil exécutif là prend disposition pour mettre agent la police dans la faculté sciences humaines avec la faculté ethnologie dans l'idée pour capable rétablir l'ordre dans deux entités ça y une équipe télévision nationale d'Haïti te rend visite à mardi 9 janvier 2018 là dans l'occasion quelques étudiants et employés dans l'entité ça y réagissent aux résolutions Conseil universitaire. On a pu vite suivre un reportage avec Woodline Welak Laurent Dali Jean-Jacques. 11h comme ça dans matin. Même si service administratif et bibliothèque faculté sciences humaines ouvert, ça pas empêché fache la base pein un espace abandonné. Environ 10 mois activité académique yo campé, quelques étudiants semblaient favorables à résolution Conseil Université l'État qui mandé présence la police pour sécuriser espace là. Ça qui est important pour moi c'est suivre coup. Bon, peut-être l'histoire racontée, bon, police dans université ça qu'on cause des problèmes, mais moi même pour le moment c'est pas ça moi. Je souhaite, je voulais suivre coup. Je voulais suivre coup. Si ça a été, bon, que essayer, peut-être ça n'a pas marché l'annuler, mais si ça a été, que on fait action au lieu que tout le monde a dit pour dire ça va d'abord, pour dire ça d'abord. Que on fait action, que un peu plus pragmatique dans sa affaire. Police universitaire, là, il n'a pas posé aucun problème. Ça c'est à vie pas me parce que moi-même t'as bien aimé fini avec bagarre licence ça mais intervention PNH en attendant police universitaire en fait pas de problème avec ça tout mais ça me t'as aimé c'est pas une police qui similaire avec police ça me connaît dans la rien qui a fait répression sur le monde tout temps et police universitaire en tout ils ont certaines formations qu'elle doit dû gagner mais à part de ça présence dans la faculté en lien nécessaire et pense gagner pile bagarre. Cependant, d'après Hugues Petitom, étudiant faculté sciences humaines avec Azor Lesage, employé entité ça depuis 1994, présence la police pas pi bon moyen pour résoudre crise fâche là. Le problème dans aller au-delà de ça, aller pour fermer bouche nous même jeunes qui parlent société, qui parlent politique, qui parlent pays, qui parlent vrai, qui porter vrai message, ils veulent fermer bouche nous. Donc c'est dans le contexte ça qui fait que ils veulent mettre en police et puis ils a choisi des prétextes qui tout à fait superflu pour implémenter police. Mais non, et grand jamais, non, nous pas d'accord que la police qui entre dans l'espace universitaire, en force armée, qui entre dans l'espace universitaire sans concertation étudiant, sans concertation corps professoral, et qui pourra toucher les vrais problèmes de sécurité, de sûreté qui ont dans l'UH, avant de l'implémenter. C'est comme ça, moi-même. Eh bien, pour moi-même, c'est chaque jour qui a pris un faute pour ça, parce que vous venez avec la police. Dans l'espace, ça qui n'est pas bien l'avant. Si que vous venez pour venir avec la police, ça veut dire que vous sont à foutre bien chaque jour. Une décision qui vous chita entre nous pour faire un tableau avec tout le monde pour une décision. Dans l'occasion, l'équipe télévision nationale t'a sollicité interview dans le coordonnateur conseil coordination FACHLA, professeur José Vaval. Coordonnateur qui pas voulu paraître devant caméra fait qu'on n'a pas réagi avant réunion conseil coordination. N'a pas traîné information triste en termes anthropologue professeur université Rachel Beauvoir Dominique chanté mardi 9 janvier dans la cour Beauvoir dans Mariani. Cérémonie ça déroulé en présence de famille, amis, collègues travail et personnalités politiques et puis médiatiques. Mambo Rachel Beauvoir Dominique est une chercheuse, une grande figure intellectuelle qui bat coup de main dans le développement études kilti haïtienne et vodou haïtien. Il était connu ancien dans l'Université de l'État d'Haïti, surtout dans la faculté sciences humaines et faculté ethnologie. Rachel Beauvoir Dominique mourit vendredi 5 janvier passé. En nous suivant extrait Marie Defeyan Didier Dominique dans micro télévision nationale d'Haïti. Présent, grand homme, ça qui saute dans le nord, ça qui saute dans le nord-est, ça qui saute dans le nord-ouest, ça qui saute dans le sud, pour venir. Si tellement nous sentis que tout le monde était vraiment remé, Rachel, même j'en étais remé, nous tous. Merci en pile. Aïe,
quelques personnalités politiques qui étaient dans funérailles, Rachel Beauvoir Dominique, salué mémoire des faillants, des anciens premiers ministres pays, Michel Duvivier Pierre-Louis, avec Evans Paul, reconnaître travail anthropologue l'a fait, t'es fait sous Kilti haïtienne, avec une université, l'État d'Haïti, n'a pas invité au suivi, on a écrit un extrait dans la télévision nationale d'Haïti. Rachel, son grand dame, c'était Zamim, nous connaissons depuis très longtemps. C'est un monde qui travaille en pile dans sa relève anthropologie, ça veut dire comprendre racine côté de sorti. Il travaille en pile sur question vaudou, d'ailleurs c'est peut-être ça que bal cérémonie ça matin. On compte en quantité monde qui vini rendre les derniers hommage ça avant que col tourne poussière. Donc moi t'ai vlé là, moi t'ai kembé à ce que me participer dans cérémonie ça. Respect pour monde dans niveau Rachel Beauvoir Dominique qui t'a accepté afficher avec vaudou. Quelle que soit opinion on moun gen de vaudou, premier réflexe pour gagner, premier comportement pour gagner, c'est respect. En pile respect parce que vaudou c'est entrailles nous. Vaudou c'est nom nous. Et tellement gen préjugé contre vaudou, tellement gen bataille mené contre vaudou, les gen des moun qui te gen choix faire l'autre bagaille. Qui fait gros étude tant qu'on papa l'était fait tant qu'on lui-même tant qu'on Marie il disait Dominique et qui consacre yo à vos doigts qui c'est religion paysan yo qui c'est religion ancêtre yo moun sa yo mérite respect et c'est pour c'est au nom de sentiment respect ça qui fait me présent là de quoi lui important pour nous rendre un hommage mérité à Rachel pour ça l'était fait comme intellectuel comme vaudouisan comme professeur. Et moi j'ai souvenir travail il commencé faire sous bois caïman une zone moi qui cher en pile à moi-même alors respect c'est plus gros mot qu'a utilisé dans circonstance ça. Yon l'autre fois encore télévision nationale d'Haïti direction à tout personnel là a présenté sympathie li ba famille zami Rachel Beauvoir Dominique. Dans l'occasion de commémoration 8e anniversaire tremblement de terre 12 janvier qui a frappé le pays d'Haïti, responsable de l'université Fondation Aristide a annoncé une journée de réflexion qui a débouché sur plusieurs séances en simulation dans la locale université SILA, date jeudi 11 janvier 2018. Activité ça a réalisé dans l'idée pour permettre de réfléchir et puis faire quelques recommandations d'après responsable université SILA en nous suivre. Université et Fondation Dr Aristide comme son université qui a pensé pour population qui a cherché des solutions jeudi qui a 11 janvier 2010 à l'approche de tremblement de à l'approche de l'anniversaire de tremblement de terre. Alors n'a pas organisé un grand séminaire. Mais vraiment un grand séminaire côté que dans ce séminaire ça n'a bien une séance de simulation, c'est-à-dire n'a créé un tremblement de terre virtuel et n'a regardé qui ça moun yo adopté comme comportement pour tremblement de terre virtuel ça et que n'a corrigé des comportements là-dedans et n'a expliqué mais qui l'autre comportement pour nous adopter et n'a montré que tout stress que ça a engendré après et comment nous ca fait pour nous traiter stress ça parce que même si je dis Libral fait nous 8 ans de date tremblement de terre 2010 s'est passé, mais nous connaissons grand pile monde qui vit avec peur, qui vit avec stress ça qui était passé 2010 là, gen monde jusqu'à présent pas ka rentrer dans un bâtiment à cause de ça. Donc jeudi, n'a proposé des solutions, n'a proposé en discussion, en débat autour de grands sujets ça parce que faut nous comprendre bien que un tremblement de terre de magnitude 9 passé au Chili, pas gen plus que 10 000 monde qui mouri. Un tremblement de terre de magnitude 9 passé au Japon, pas que plus que 10 000 personnes qui mourent, alors que au Japon, il y a un tsunami et un incendie qui suivi le tremblement de terre. Ce n'est pas parce que eux-mêmes, bon Dieu, aimé ou plus, mais c'est parce que tout simplement, ils ont adopté des mesures que pour adopter. Le jour 12 janvier qui est passé, eh bien, c'est tout ça qui est passé dans le corps. Okay? C'est traumatisme, blessure, ça qu'on gagne. Pour jusqu'où là, toujours une blessure, ça. Si nous regardons bien comment que nous-mêmes nous faisons ça, donc ça fait que nous disons, jeudi prochain, nous allons essayer de nous capables avec une simulation pour montrer que qui effet et qui impact ça a gagné la caille. Pour même pour essayer de réadapter, pour que la prochaine fois que tu as un bagage comme ça, que l'on déjà connaît qui gens pour réadaptation, c'est ça qui va être constitué comme traitement pour vous.
Parce que pas fait de bons médicaments, ni quoi que ce soit. Mais c'est préparation, c'est résignation, c'est tout ça qui vient là-dedans, là, quand nous, pour nous comprendre la situation qui vient. Okay? Donc, vous regardez ça, acting out, vous dire que donc, ou même qu'à adapter ou qu'à retirer ou sortir de ça qui a passé, etc. Donc, c'est ça qu'on nous dit jeudi prochain. Donc, on attend pour nous capables de faire conférence de presse, pour nous parler de ça, de stress post-traumatique, et ou même pour qu'on qui sait quel gain dans tout ça. Fondation Rose Blanc distribue vendredi 5 janvier à Kadobay Timoun, Théâtre National d'Haïti, sous bicentenaire. D'après une responsable Fondation Rose Blanc, Sophia Martelly, objectif là, c'est partager avec Timoun ça au gain comme cadeau pendant la période des fêtes. On a pas envie de suivre. Époque ça, son époque de partage. Nous devons choisir différents côtés pour m'aller, mais t'es grand pile requête. Comme nous font tirage au sort, ces zones qui. D'accord, qui bénéficie, c'est comme ça nous venons atterrir dans le théâtre national. Moi, quoi, nous commençons le 14 décembre. Nous avons choisi ici, hein, mais il faut me dire que nous avons pris différents quartiers. Nous prenons Cité de Dieu, nous prenons Martissan, nous prenons Cité l'Éternel, nous prenons Tibois, nous prenons Grand Ravine et nous prenons Cafoufeuille. Je n'ai pas une liste en tête, mais même quoi, il y a à peu près 11 zones qui bénéficient de cadeaux. Malheureusement, nous avons travaillé plus de 6 personnes, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. En général, on va réaliser que c'est 6 personnes seulement que nous quittons rentrer. Nous n'avons pas de grand monde là parce que c'est une activité que nous faisons pour 6 personnes. Mes parents que nous voyons, ils sont contents, mais ils ont travaillé pour les 6 personnes qui ne sont pas venus en fête. Malheureusement, tout le monde ne va pas joindre. Si on a 3 personnes, c'est peut-être 2 personnes seulement qui jouent un cadeau. Mais quand même, c'est ça la fondation qui a apporté. Même moi, que réaction parents très positive, ils sont très contents. Quand pile là-dedans qui dit que au pas de compte qui ça t'a pas le bâti monde pour fête yo et cadeau était bienvenu année ça me réaliser que gagne en pile monde gagne des artistes gagne des particuliers qui fait distribution dans zone pa yo tout bien qui te fait des distributions m'a pas encourager mouvement ça peut-être année ça youn pas joine année prochaine ni même la cap joine. Et c'est là nous fermons chapitre local là nous prêt aller à l'étranger puis près nous dans pays États-Unis côté yon pile labo pote aller plusieurs cailles dans état Californie hier mardi 13 moun ont perdu la vie dans circonstances là. Euronews pour plus de détails. Les pompiers de Santa Barbara ont sauvé une fille de 14 ans coincée pendant plusieurs heures dans une maison de Montecito détruite par la tempête. Mais ils ont aussi retrouvé les corps sans vie de 13 personnes, toujours à Montecito près de Los Angeles, où d'immenses coulées de boue ont emporté les habitations. Certes, la tempête a été violente hier, mais la plupart des zones où les coulées de boue ont sévi ont été dévastées le mois dernier par l'incendie Thomas. Et il n'y a désormais plus de végétation pour absorber l'eau et retenir les sols. Cet incendie était le plus destructeur de l'histoire de la Californie en termes de surface brûlée. L'autre information internationale, il faut qu'on ait le président américain Donald Trump réagir sur rumeur qui a fait quoi et gagner Oprah Winfrey qui est capable de poser candidature pour poste président d'un pays des États-Unis d'ici 2020. N'a pas noté pour vous que le président américain Donald Trump croit que l'actrice Oprah Winfrey ne peut pas arriver à aller présidente dans la prochaine élection américaine. On n'a pas envie de suivre plus de précisions avec Euronews. L'éloquence du discours d'Oprah Winfrey lors de la cérémonie des Golden Globes dimanche soir a ravivé les rumeurs sur son éventuelle candidature à la Maison Blanche. Beaucoup ont voulu voir dans sa déclaration où elle annonce une nouvelle ère pour les femmes maltraitées par les hommes, un tournant dans sa vie publique. Donald Trump a réagi à ces rumeurs. Oui, je vais battre Oprah, a-t-il assuré. Ce serait drôle, je la connais très bien. Vous savez, j'ai participé à l'une de ses dernières émissions. C'était avant la politique. Sa dernière semaine d'émission, elle a eu Donald Trump et sa famille. C'était très agréable. J'aime bien Oprah. Je ne pense pas qu'elle va se présenter. L'éventualité d'une candidature d'Oprah Winfrey en 2020 a suscité l'enthousiasme à Hollywood, à en croire les tweets de nombreuses célébrités. La première présentatrice noire à faire une grande carrière à la télévision a bâti autour de son nom une véritable marque. Elle a levé des millions de dollars pour de nombreuses causes, finançant des foyers pour femmes battues ou encore la campagne électorale de Barack Obama en 2008. Voilà, c'est avec dernière information ça que je n'ai pas pour matin, mais juste avant nous aller dans le principal point développé pour matin.
Président République la Jovenel Moïse plaide en faveur tête ensemble dans mitan toute petite pays a pendant li dit li paré pour le chita parler avec parti politique en opposition pour poser problème pays a. Trois moun mouri ak 5 lot soti blessé, c'est bilan dernier la pluie qui tombait sous pays a pendant dernier jour sa yo. Directeur protection civile là Jerry Chandler éviter population rete veillatif même les fonds froid quitter pays d'Haïti. Jerry Chandler annoncé gouvernement accompagné par un moun qui perd la vie dans nord-ouest pays d'Haïti. Enterrement anthropologue professeur université Rachel La Beauvoir Dominique chanté ayema Diana La Beauvoir na Mariani en présence famille amis collègues travailleurs et personnalités politiques et médiatiques dans pays d'Haïti. Et puis à l'étranger pour pipiti 13 moun a perdu la vie ayema Diana na état Californie à cause d'un pile labou qui allait à plusieurs kaya. Ces conséquences à tempête qui frappe l'État-Sila depuis quelques jours dans le pays États-Unis. Nous te comptons ensemble avec vous, Ricardine. Bien sûr, Ruben, nous avons cassé rendez-vous pour demain matin pour une nouvelle sortie téléjournal, très certainement. Bonne journée. Merci. Et bonne journée à mes téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision nationale. Nous avons cassé rendez-vous, je ne déjà dit là, pour une prochaine sortie téléjournal.